Et ça qui est autant de, qui veut dire. Autant de terre que Dieu veut dire. Autant de là, c'est pour dire quoi? Il a fait 8 terres. Il a fait 5 cieux et 8 terres. Aussi, regardez bien. Aussi, regardez bien. Si vous prenez autant de là, autant de. Jésus a parlé de 7 cieux, autant de. Autant de terre. Donc ça suppose que quoi? Apparemment. Apparemment, ça suppose que quoi? Il a dit 7 terres aussi, non? Mais non. Il ne veut pas 17 terres. Ici, il a déjà 17 cieux. Il ne veut pas dire quoi? Il ne veut pas 17 terres. Parce que regardez 7. Voilà 7, hein. 7. Ah, 7, ça. Regardez bien, ça veut quoi? Je mets ça en patron. Je vois quoi? Je vois 1, le nombre 1 là. Je vois encore quoi? Le signe plus. Ça fait quoi? Ça fait. Ça fait quoi? Ça fait plus ça. Ah. Hein? Au lieu de 7, 7. Au lieu de 7 là, c'est quoi? C'est 7 plus 1. Ça fait quoi? 7 plus 1, ça fait quoi? Ça fait 8. Il ne veut pas parler de quoi? Il ne veut pas dire qu'il a 7 terres aussi. Mais il veut dire quoi? Il a 8 terres. C'est comme ça, Dieu, créez-le. Créez-le. Il parle en parabole. Il a 8 terres. 8 terres, 8 planètes. Il n'a pas 7 planètes, il a 8 terres. C'est ainsi que quoi? Il dit, le verset qui parle de ça, c'est quoi? C'est le verset 12 de la 65. Allons-y. 65, 12. Voilà, 65. Quand vous regardez dans le Coran, vous verrez quoi? 65. Dans le Coran, je passe le tableau. Dans le Coran, c'est divorce. 12, dans le Coran, c'est quoi? C'est Joseph. Allons-y. C'est comme quoi? Ciel, de quoi? De OR comme quoi? Horizon. Le ciel de l'horizon. Divise comme quoi? Divise. C'est lui qui divise. Le ciel de l'horizon. C'est lui qui divise quoi? Les planètes. Il récupère la séparation, le divorce. Le divorce, c'est une séparation. Voilà. C'est lui qui fait, c'est lui qui divise, c'est lui qui fait la séparation. Maintenant, Joseph vous dit que quoi? Arche. Il a aussi OS comme quoi aussi. P comme quoi planète qui est à quoi H comme quoi horizon. Il a aussi une planète qui est à l'horizon. C'est lui quoi? Ici. Est-ce qu'il est là? Mais il se prononce quoi? Il se prononce
Zeds.